Bonjour. Dans la deuxième vidéo consacrée aux instructions aux auteurs, nous allons considérer la suite du texte recommandation pour la conduite, la présentation, la rédaction et la publication des travaux de recherche soumis à des revues médicales que vous pouvez télécharger sur le site de l'ESMJE en version française. Nous avons vu essentiellement dans la première vidéo rôle et responsabilité des auteurs, contributeurs, relecteurs. Cette fois-ci, il y a deux parties. Tout ce qui concerne les problèmes d'édition et de rédaction liés à la publication dans des revues médicales. Nous ne verrons pas tous ces points-là, mais nous allons nous arrêter sur quelques-uns. La partie B concerne tout ce qui s'appelle la fraude scientifique, les expressions de réserve et les rétractations, termes qu'il faut connaître et que les revues peuvent employer. La fraude, ce n'est pas uniquement le plagiat, ce n'est pas uniquement la fabrication, la falsification de données, mais c'est aussi tout ce qui sont les pratiques discutables en recherche. La non-publication de résultats d'essais, par exemple, et beaucoup d'autres pratiques, comme les tortures de données, comme des omissions de choses, des manipulations de textes. Il existe le Committee on Publication Ethics, dont vous avez les références ici sur cette diapo, qui donnera énormément d'informations et le groupe de Vancouver propose de se référer à ce site pour avoir plus d'informations en cas d'allégation de fraude et comment un rédacteur peut se conduire pour gérer des fraudes. Quand il y a une mauvaise pratique, on peut publier une correction, mais c'est souvent une erreur plus qu'une mauvaise pratique, mais on peut publier une expression de réserve ou une rétractation. L'expression de réserve, c'est qu'il se passe quelque chose, on a des doutes, on n'a pas la certitude, il y a une procédure d'investigation sur un article, donc on va mentionner quelque part sur l'article ou sur le site qu'il faut faire attention et prendre avec prudence cet article, parce que, par exemple, une enquête est en cours. La rétractation est un processus qui consiste à rétracter, c'est-à-dire invalider clairement l'article. Il n'a plus de valeur scientifique, mais attention, on ne le supprime pas d'un site. Pour l'historique, les archives, il doit rester en ligne, et on va marquer dessus de façon grosse « rétracté », où on va mettre une note spécifique de rétractation pour expliquer pourquoi cet article a été invalidé. Donc vous trouverez énormément d'informations sur les rétractations dans le texte de Vancouver. Une partie très importante et sur laquelle je serai aussi rapide, ce sont les publications croisées. Publications croisées, on entend la double soumission. Je soumets mon article à deux revues en même temps, interdit. La publication antérieure est redondante. On a déjà publié une partie de la recherche quelque part, mais on va réutiliser ça dans un autre manuscrit. En principe, on ne republie pas deux fois les mêmes résultats originaux. On republie un complément et on est extrêmement transparent sur le fait qu'une partie de l'étude est déjà publiée en le mettant en note, en le mettant aussi en référence, et en le mettant aussi dans la lettre de soumission au rédacteur quand on envoie une revue. Donc il faut être très précis là-dessus pour éviter que des gens qui font des revues de littérature prennent deux ou trois articles de la même étude et croient que ce sont deux études différentes et se mettent à les compiler. Allez lire sur le texte de Vancouver plus de détails. Vancouver décrit aussi ce qui est la publication secondaire acceptable. Beaucoup de revues ne connaissent pas un processus qui est en six points, qui ne sont pas sur cette diapo, mais qui sont dans le texte, qui dit que, par exemple, un article Princeps dans une grande revue pourrait être republié dans ma revue à moi, mais à des conditions qui sont nombreuses, les deux revues sont d'accord, il y a un délai, on est transparent, et la version republiée est en général pour un autre public, voire une autre langue, et n'est qu'une version abrégée ou écourtée,
mais avec les mêmes résultats quand même. Il y a tout un processus pour faire ça, et c'est accepté de temps en temps. Et les dernières recommandations concernent les manuscrits reposant sur la même base de données. Là aussi, il y a des règles, dont vous voyez quelques points sur cette diapo. On peut publier sur une même base de données, mais c'est toujours la transparence qui prime. On doit citer ce qui a été fait avant, où est-ce que ça se trouve, bien expliquer que c'est la même base de données. Vous avez vu que je n'évoquerai pas les parties correspondance, honoraires. La partie supplément numéro thématique, il y a aussi beaucoup de recommandations sur comment un comité de rédaction peut gérer un supplément, un numéro thématique. Est-ce qu'il garde la maîtrise ou pas, et la responsabilité éditoriale. Beaucoup de suggestions sont mises dans la Convention de Vancouver. La publication électronique est claire dans le texte de Vancouver. Maintenant, toutes les revues doivent être électroniques. Et là, il y a beaucoup de conseils dans ce texte qui sont sur la gestion, sur l'obsolescence des liens et tout ça. La publicité, il y a beaucoup de règles. Si vous avez de la publicité, elle doit être en début ou en fin de revue, par exemple. Elle ne doit pas être entre les articles. Et il y a des façons de gérer la publicité. Mais vous avez remarqué que la publicité, avec l'avènement de l'électronique, a eu tendance à disparaître des revues. La publicité papier ne s'est pas transférée sur le système électronique. Beaucoup de choses dans Vancouver concernent les médias. Nous ne devons pas communiquer aux médias des données qui sont considérées pour publication dans une revue à comité de lecture. Ce n'est que le jour de la publication que les journaux grand public, magazines pourront l'évoquer. Mais il y a des procédures pour communiquer ces données aux médias grand public avant publication. Et la dernière chose importante concerne essentiellement l'enregistrement des essais cliniques. Nous l'expliquerons plus en détail dans une autre vidéo. Un essai clinique doit être enregistré avant l'essai et sur des sites dédiés. La fin de Vancouver, c'est tout ce qui concerne la préparation d'un manuscrit. Points qui ont été détaillés dans d'autres vidéos, depuis la page de TRIT jusqu'aux unités de mesure et abréviations et symboles, mais c'est une grande partie de Vancouver que je ne détaille pas ici. Je terminerai par l'envoi du manuscrit à la revue, c'est-à-dire la lettre de couverture, qui doit avoir deux éléments. Le résultat principal de mon article et pourquoi je soumets ça à cette revue. Je vous remercie.